En tout cas, la Côte d'Ivoire s'est dotée en début de semaine de sa première chaîne d'assemblage de minibus, inaugurée en grande pompe. Il y avait, vous le disiez, le Premier ministre, mais aussi beaucoup de personnalités. Cette usine se trouve dans la commune de Koumassi, à Abidjan. Bonjour Pierre Pinto. Bonjour. Correspondant permanent de RFI dans la capitale économique ivoirienne. Capacité de production, on le disait à l'instant, 1 millier de véhicules par an. Ils seront commercialisés sous la marque Daily Ivoire. J'imagine, Pierre Pinto, mais vous allez le confirmer, que ces véhicules sont d'abord destinés au marché intérieur, au marché ivoirien. Oui, dans un premier temps en tout cas, ils sont destinés à des clients ivoiriens. Selon le gouvernement, le carnet de commandes serait même plein jusqu'en 2024, c'est-à-dire que ces véhicules qui seront produits cette année et l'année prochaine bien sont déjà vendus, et a priori donc vendus en Côte d'Ivoire. Alors vous l'avez dit, la cadence visée, c'est 1000 véhicules par an. À terme, l'idée c'est de transférer d'ailleurs le site d'assemblage de Koumassi à San Pedro, où une zone dédiée à l'automobile sera installée. Et là, l'objectif c'est de sortir 2000 véhicules par an. Donc oui, les promoteurs de ce projet, c'est-à-dire le gouvernement, la SOTRA, la Société des Transports Abidjanais, et le groupe italien Iveco, vise aussi le marché sous-régional. Il y a un marché, faut dire, le minibus c'est 20% du parc automobile en Afrique. En plus, ce minibus made in Côte d'Ivoire coûte 30% de moins que le même importé d'Europe, et il peut être configuré pour de nombreux usages, donc transport de passagers bien sûr, mais aussi pour la police, la gendarmerie, pour des ambulances, pour des camions frigorifiques ou pour des véhicules d'artisans par exemple. En tout cas, des ministres et des représentants de la sous-région étaient là et bien là lundi à l'inauguration de l'usine d'assemblage à Koumassi, signe de leur intérêt pour ce véhicule. Oui, succès garanti pour ce véhicule, hein, si j'en crois effectivement ce que vous disiez, les informations du gouvernement. Le carnet de commandes est plein jusqu'en 2024. La Côte d'Ivoire est donc désormais un pays constructeur d'automobiles. Est-ce que ça signifie que le pays cherche à se spécialiser dans cette industrie? En tout cas, le pays cherche à s'industrialiser en général. C'est le credo du Premier ministre Patrick Hachi depuis qu'il était à la tête du gouvernement, c'est-à-dire depuis avril 2021. Il veut transformer en Côte d'Ivoire les produits agricoles produits ici. Il veut aussi notamment ressusciter l'industrie textile. Et l'automobile n'échappe pas à ce vaste plan d'industrialisation. Ça ne date d'ailleurs pas de Patrick Hachi. Le projet minibus, par exemple, date de 2018. C'est Amadou Gon Coulibaly qui l'avait initié. Des discussions avaient été engagées aussi avec d'autres constructeurs à l'époque, comme Renault, qui d'ailleurs a déjà eu un site de montage en Côte d'Ivoire dans les années 60. Des discussions aussi avec Toyota, qui sont toujours en cours. Et puis donc avec Iveco Bus, qui est le partenaire de la SOTRA dans ce projet. Iveco Bus, qui est actionnaire à 40% de la SOTRA. Voyez donc une certaine logique à accélérer ce partenariat et aller au-delà de la fourniture de bus. Il faut rappeler que ces discussions coïncident d'ailleurs avec une loi de 2018 qui interdit l'importation en Côte d'Ivoire de véhicules d'occasion de plus de 5 ans. Et depuis, eh bien, les ventes de voitures neuves augmentent de façon vertigineuse, plus 20% en 2019, plus 26% en 2020. Alors à terme, je le disais, le gouvernement envisage de dédier à l'automobile un site adossé au port de San Pedro, dans l'ouest du pays, c'est-à-dire d'y installer des sites d'assemblage et d'y faire venir des fournisseurs, de pousser même des entreprises ivoiriennes à se lancer dans la production de pièces détachées, à commencer par les pneus par exemple. On est dans un pays qui est le leader africain de l'EVA et qui pourrait devenir un fabricant de pneus. Donc c'est tout un écosystème naissant que le gouvernement espère pouvoir créer un jour autour de l'automobile, mais on n'en est qu'au balbutiement aujourd'hui. À suivre donc.